Et yo les amis, c'est Rigo les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à dropper un like les potes. Aujourd'hui les amis, on va faire, vous voyez, il commence à refaire chaud. Et j'avais décidé de faire peut-être une petite activité dehors dans le jardin dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à liker cette vidéo, on tente les 10 pouces bleus pour cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et aujourd'hui du coup on va faire un barbecue dans Minecraft avec avec nos loopings et les autres. Et du coup on va aller au jardin déjà voir comment ça se passe. Et du coup ils sont là. Et il y a quelqu'un qui a renommé looping en deux, celui qui a fait ça. Oh, il va s'en prendre une. Non, je déconne, hein, il va pas s'en prendre une, mais je crois savoir c'est qui, mais franchement celui qui a fait ça, il va vraiment se prendre un truc. Mais vraiment, bref, je crois que le vrai looping il est là, donc on va dire que c'est celui. Donc les potes, ce qu'on va faire, c'est que normalement le barbecue, on va l'installer. Et du coup, on va tout préparer les potes dans cette vidéo. Vous voyez, ça serait bien qu'on agrandisse le jardin. Ça, les potes, ça vous tente, on agrandit un petit peu le jardin, genre, on fait un petit peu plus long le jardin, au moins, ça sera un petit peu plus grand. Moi ça me tente. Les potes, go, on le fait. Venez, on le fait. Au moins, vous voyez, parce qu'on a, on a pas beaucoup de place, c'est un peu chiant, franchement. Du coup, tac, on enlève toutes les barrières, tous les feuillages. Et du coup, on va venir agrandir, les potes. Let's go. Au moins, on pourra faire un petit barbecue tranquille. 4. Et là, regardez, on va venir tourner comme ça. Hop. Au moins pour faire un barbecue. On va pouvoir faire un barbecue. En tout cas, merci beaucoup pour les 140 abonnés, les amis. On tente vraiment les 200 abonnés cette fois. Je sais que vous pouvez le faire. Et du coup, les potes, n'hésitez pas. Le Tipeee, le Discord est dans la description, encore une fois. Si vous voulez faire un don, si vous voulez aller sur le Discord, c'est dans la description. Et en vrai, les potes, il fait chaud aujourd'hui. Je sais pas, j'arrive pas vraiment à parler parce que j'ai chaud. Donc, les potes, si je parle pas beaucoup, c'est normal. Hein. Faut juste un peu. Justement, ce barbecue, ça va nous rafraîchir. Et puis voilà, ça va nous détendre un petit peu de tout ça, quoi. Les armes, on va les laisser. Au moins, ça fera un petit peu d'ombre. Ah ouais, ça c'est bien. Ça c'est top. Et du coup, on va faire un barbecue des grillades et tout. Je crois même qu'il y en a en plus. Du coup, c'est nickel. Et du coup, ce qu'on va venir faire, c'est un peu tondre la pelouse. Tac, tac, tac. Parce que pour faire un barbecue, il va falloir tondre un petit peu, les potes. Hein. J'espère que vous allez bien, les potes, en tout cas. Si vous avez trop chaud, il faut boire de l'eau. Hein, parce que c'est important. Bah, regardez, même moi, je vais prendre une bouteille d'eau avec moi. Au moins, si j'ai soif, regardez, je vais même un petit peu boire. C'est important de boire. Hein. Très important. Et du coup, attendez, franchement, ah là c'est bien, on aura une petite place pour faire le barbecue au moins. Tac, on enlève un petit peu là, au moins on aura de la place, parce que j'avoue que avoir de l'herbe de partout, c'est un petit peu moche. Ça fait abandonner. J'ai pas envie que ce soit un jardin abandonné. Du coup, bah voilà. Et regardez, en vrai là on a de la place pour faire un barbecue, hein. Sincèrement. Là, on enlève tous les trucs comme ça, pour pas que ça nous gêne. Et franchement, regardez ça. Regardez ça, le jardin, il s'agrandit, les potes. Regardez ça de loin. Et franchement, ça nous fait un grand jardin. Hein. Franchement, je suis content. Je suis très content. Et là, du coup, on va encore un petit peu enlever. Voilà. Ça me semble pas mal, je pense, pour cette vidéo. Et du coup, les potes, let's go, on va construire le barbecue. Déjà, pour construire le barbecue, Faudrait le construire juste ici. Déjà, il n'y a pas un... Oh, regardez, ça y est, il y a un barbecue, les potes. Let's go, let's go. Hop, tac. Attendez. Il faut juste un peu... Il faut faire un barbecue, les potes. Faut vraiment... Vous savez quoi? On va prendre des feux de camp. Et on va les mettre par terre. Ce sera un barbecue par terre. Bon, je sais, c'est bizarre, je sais. Faut pas les mettre près des arbres parce qu'on veut pas, frère. On veut pas tout faire cramer, frère. Je veux pas faire cramer ma baraque.
Donc vas-y, tranquille, on le fait là, le barbecue. Non, mais vas-y, on le fait même là. Même là, j'ai envie de dire. Non, même. On va le faire là. Mais tranquille, on fait pas près des trucs au moins. Et du coup, là, on va pouvoir faire griller des choses, les potes. Je vais préparer les invités, les potes. Il faut préparer les invités. Et surtout, faudrait aller chercher les viandes parce qu'on a plus de viande. Alors déjà, toi, t'es le petit de Looping qui a fait vraiment des trucs avec sa meuf. Et du coup, normalement, c'est toi le vrai Looping. Vous allez venir tous les deux. Let's go, let's go. Vous êtes les invités, hein, donc écoutez, la chienne Manon, elle sera pas là avec toi, Looping, désolé. Parce que monsieur, parce que voilà. Mais vous savez quoi, je vais aller chercher les viandes. Je vous retrouve tout de suite après les chiens. Allez, à tout de suite. Les amis, go, allez, on va chercher les viandes, hein, parce que sinon, on n'aura pas de viande pour faire des grillades. Et puis on va se dire, oh, c'est un barbecue raté, on va pas avoir de truc, oh, quel dommage. Bah non, il faut avoir... Bah justement, j'ai tout prévu. Normalement, au magasin de chips, ils vendent aussi des viandes. Donc les potes, on va y aller. Et je vous retrouve dès que je suis y allé. À tout de suite, les potes, je vais y aller. Et dès que je suis revenu, je vous retrouve. Re les amis, c'est bon, je suis revenu du magasin, on peut dire ça comme ça. Et regardez, j'ai du mouton, du poulet, du saumon, du steak. Et franchement, c'est pas mal. Le petit roux avant de cuisiner, ça fait pas de mal. Et du coup, faudrait un truc. Regardez, là vous êtes prêts. Il va bientôt commencer à faire clair, c'est parfait pour l'ombre. Et du coup, attendez, il faudrait faire un petit peu d'ombre, il faudrait faire une petite table tranquille. Regardez, on va installer une table avec des chaises, comme ça. Au moins, on pourra manger à l'ombre, regardez. Ah, ça c'est parfait. Ça c'est parfait, regardez. On va mettre pas beaucoup de chaises, on n'aura pas besoin de tout ça. On va mettre ça. Du coup, je pense qu'on aura assez. On va mettre ça là. 1, 2, 3, 1, 2. Et franchement, regardez, on a une assez grande table. Et on va commencer à mettre la table, les potes. Et on va mettre, vous savez quoi, on va mettre les viandes sur le barbecue si on peut bien. Je sais pas si on peut, attendez. Normalement, on peut le mettre. Ah oui, attendez, faut que ce soit pas cuit. Donc, faut que je prenne ça. 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 Du coup, ça. Et là, regardez, normalement. Yeah! Regardez ça, nickel. Et du coup là on va mettre tout autour les... Ah c'est nickel ça, il va faire chaud. Ça va être de la grillade. Et du coup je vais un petit peu boire de l'eau les potes, c'est important ça. Ah il commence à faire clair les potes, nickel nickel. On va commencer à mettre la table. Du coup c'est parti, let's go let's go. Au moins on aura la table. Et du coup normalement ça va être bientôt prêt. Et du coup moi les amis je vais faire un petit plongeon dans l'eau en attendant un let's go. Et franchement les amis c'est pas mal, on est en été. N'hésitez pas à proposer ou ce que vous voulez qu'on aille en vacances. J'ai prévu un truc assez grand pour les vacances. Parce que vous voyez là on est en juillet, ça va bientôt être août. Et j'ai prévu on va aller quelque part, je vous dis pas plus. Mais pour les grandes vacances on va aller quelque part. Donc je vous dis rien d'autre. Mais voilà. C'est peut-être prêt, attendez je vais regarder. Yeah, regardez ça. Eh c'est trop bien. Et c'est prêt, regardez ça. Et c'est trop bien. Bon, let's go, vous venez manger, Looping et l'autre, là, le petit. Venez manger, je vous en prie, hein. Vous montez sur les chaises. Tenez, hop, 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 hop. Tac, tac. Et bah, du coup, je vous en prie, vous mangez ce que vous voulez. Moi, je m'installe là, let's go. Bah, tenez, Looping, tiens, je te donne de la viande si tu... Viens ici, Looping, tiens. Je te donne de la viande. Et t'es content? T'es content. Et du coup, le petit aussi, il veut de la viande, nickel. Et, ah, mais du coup, je vais manger un petit poulet, les potes. Alors, du coup, les potes, on va manger un petit barbecue. Et franchement, c'est trop bon, hein. Franchement, j'adore. Les potes, en tout cas, je vais un petit peu faire un petit plongeon dans l'eau. Et let's go, moi, je vais un petit peu m'hydrater parce qu'il commence à avoir de l'air. Et franchement, ça, c'est pas mal du tout. Ah, les deux chiens, ils ont envie de se baigner aussi, hein. Ils ont envie de se baigner. Ah il a faim, nickel. Je vais pas leur donner à deux parce que je veux pas qu'ils aillent un enfant tous les deux. Ce serait vraiment
Bon, en tout cas, les potes, je pense que je vais manger un petit dessert. Hein. Ça se mérite. Une petite pomme. Je vais prendre une petite pomme. Ça fait pas de mal. Je suppose qu'ils voudraient. Ils vont. Je pense qu'un chien, ça mange pas de la pomme. Hein. Du coup, je vais manger ma pomme un peu tout seul dans la piscine, les potes. Et franchement, on a beaucoup de chiens. Regardez là, on avait les chiens qu'on avait soi-disant kidnappés. Mais il y avait le voisin qui nous disait que c'était pas une bonne idée de les garder. Même si on était le maire de la ville, il faudrait peut-être les rendre. Mais c'est vrai que garder tout ça dans son truc, c'est pas une bonne idée. Et donc, voilà. Donc, je vais pas les garder, voilà. Et du coup, là, il y a le full looping. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est vraiment un bordel. Mais il faudra vraiment faire un tri dans les chiens. Du coup les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner, ça me fait super plaisir. Et franchement les potes, merci pour les 140 abos. Je vous dis à dans une prochaine vidéo, vous êtes les boss. Et vous voulez un énorme truc pour les vacances, n'hésitez pas à rejoindre mon Tipeee, mon Discord dans la description. Et ciao ciao.